Hey, salut tout le monde, c'est Bouscam. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est en train de buter l'autre, hein, qui nous avait attaqué dans l'épisode précédent et qui est ultra vénère en fait. Hein. Très clairement, elle est ultra vénère. Attends, on va prendre la mitraillette. Oh non, on va prendre ça. T'es... Hop, on va pas tout prendre. Bon, j'ai commencé à le toucher, je suis dans la merde. J'ai plus de vie. Je pense que je vais mourir. Je lui ai fait perdre de la vie ou pas? Un petit peu quand même. Non mais j'ai plus de vie là. J'essaie de jouer avec le son pour savoir à peu près où il est. Je suis dans la merde, hein. J'ai 0 HP. Voilà, bon, c'était sûr. C'était sûr que j'allais crever, mais du coup, il a presque plus de vie. Ah, il faut clairement que. Il faut clairement que je les bute. Hein. Non, je vais pas y aller tout de suite. Je vais d'abord buter. Je vais d'abord faire ce qu'ils m'ont dit. Ça va être laborieux, je pense, mais bon, il faut le faire. Il a retrouvé toute sa vie, ce gros porc, quoi. Ah putain, mais déjà cher. J'ai déjà plus de vie. Bon, on va y aller petit à petit, hein. Y a un moment où je peux pas inventer non plus ma thune et ma vie. C'est pas grave, je pense que je vais mourir à la suite. C'est le mec, très clairement. Hop, vas-y, ouvre. J'ai de la thune un peu, quoi. J'ai que 7, hein, on est d'accord. Je sais pas s'il y a de la thune dans les parages. Je pense pas, j'avais déjà tout fouillé. Attends, il y avait un ennemi là, il y a pas. Il y avait un ennemi pas loin de tout à l'heure, là, ici. Je sais pas où il est passé. Excellent. Elle disparut. Okay, il a rien. Allez, meurs. On va la sauver. Bon, du coup, on va tous les buter, hein, les protecteurs, je pense. On va tous les buter. Ça va être un épisode où on va buter du protecteur. Hop, on va reload. Est-ce que j'ai. Ah. Bah, du coup, je vais. Emplacement de placement. Ah, oui, ça coûte 100. Je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Tu as fait preuve de bonté. Comment connard, j'ai sauté, j'ai perdu de la vie. Hop, je prends juste du soin en fait ici. Voilà. Hop. Et du coup, on est reparti pour les autres. Alors du coup, j'ai presque plus de munitions, moi, parce que bon, ça use des munes pas mal, ce machin. Merci, monsieur. Merci de nous avoir sauvés. Oh. Oh, pas mal. Voilà, donc c'est ça que je voulais faire, en fait. C'est quoi, ça? Lancer des... Ah oui, mais ça, je le connais déjà. Moi, je veux pas... Alors, on va faire ça. Alors, enflamme les objets et les créatures, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Alors, je sais pas. Je veux aller au dodo, monsieur. Wow. Et amélioration, je veux améliorer ma vie. Est-ce qu'il y a moyen? Ah oui, non, c'est pas là-dedans qu'on améliore la vie. Move. Échange d'amélioration. D'amélioration génétique. Alors ça, pareil. Est-ce qu'il y en avait un ici?
On va essayer de tuer tous les protecteurs. J'en entends un là pas loin. Ah, il est là. Je suis pas méchant, je suis pas méchant. Pour l'instant. Pour l'instant. Oh nice. Est-ce que si je lui fais un. Ils ont capturé Timia juste après midi. Maintenant c'est inévitable. Soit Ryan descend Fontaine, soit Fontaine descend Ryan. On va interroger voilà. Ce pauvre Timmy près des pêcheries. Si vous avez envie de vous amuser, votre bigode, ça vous va. Ah ok, carré, c'est... J'ai plus de santé. Je n'ai plus de vie. Par contre, je vais respawn super bien et ça, c'est chiant. Ah, il a trop de vie encore. Je pense que je vais clamser. C'est comme ça. J'ai plus de vie. Je vais aller en mode bas les couilles. Ouais, voilà. J'avais plus de vie. Ah, ils sont assez compliqués. Hein. Il faut vraiment que je les tue. Hein, parce que sinon, je pense que je vais galérer. Très clairement. Oh, ça va, on respawn à côté. Je pense qu'il faut réellement que je les tue. Hein, parce que. Pour pas galérer comme un porc après. Alors, par contre. Je ne suis pas sûr que c'est par là qu'il faut que j'aille. Salope. Oh putain. Elle a déjà mis mal. Elle. Hop. Alors. Non. Ok, elle était là normalement. Oui. Hop. Je crois pas que je t'ai vu toi. Je crois qu'il y en avait un autre là-bas, voilà. Non là j'ai pas de vie, ça va être ça va être chaud. Je pense qu'on va avancer. Oh, attends. Bienvenue à la farandole des prix. Voilà. Revenez quand vous aurez de l'argent, l'ami. D'accord. Il me reste combien de balles? Ouais, il me reste pas beaucoup. J'ai ça là, il me reste 25. Non mais please quoi. Et alors ça, je sais pas non plus à quoi ça sert, les balises de sécurité. Ah, là il a l'air d'être touché un peu. Je suis en train d'essayer de le buter au gun hein, quand même. Tu sais que c'est qu'à chaque fois que je décale, il me bute. Et ça c'est... Chaque fois qu'il me voit, à peine un centimètre de moi qui sort, je suis mort. Et voilà, à peine, c'est trop compliqué, c'est ultra chaud. J'y vais en mode balai couille, ouais voilà. Je pense que la prochaine fois, ça sera la bonne. Eh, c'est ultra chaud quand même, hein, c'est ultra chaud. C'est vraiment hot. Hop. Il me reste beaucoup de balles, ouais. Assez pour le tuer. La mitraillette, l'arme qui est pas la plus optimale, mais bon. Non, 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 oh, ça me fait aller où là? Ok. Elle est où la meuf? Elle est où? Elle est où la petite sœur? C'est sérieux la meuf là? Je viens de buter son protecteur et elle a disparu la petite sœur. Peut-être qu'il avait plus assez de vie donc elle s'est barrée, je sais pas. Je dois avouer que là je ne comprends pas trop le beans, n'est-ce pas? Ouais d'accord, ok, j'ai buté le protecteur mais il n'y avait pas la petite sœur. Peut-être qu'il avait plus assez de vie, je ne sais pas.
Oh salope. Je vais marcher sur sa putain de mine. Bon, écoutez, hein, c'est pas grave. On va avancer, hein, la flemme. De toute façon, je meurs à tour de bras avec ça là. Donc on va faire le taf. Allez, go. Je croyais que vous aviez eu votre compte. Vous avez quelque chose pour moi et mon équipage, ou vous venez vous faire débiner? Attendez une petite seconde. Je vais faire du café, sortir les couverts en argent et tout ça. D'accord, excellent. Je pense que ça va être tendu quand même. Mais bon. On va voir. Hop. Tac. Personne peut se pointer ici avec des flingues. Mettez vos armes dans le pneumatique. Après, je vous laisse entrer. Son prix, il va falloir le payer, mais il ne peut pas vous prendre vos places vides. C'est assez stylé ici, je trouve. Il a dit au diable qu'il revenait tout de suite, et le diable lui a répondu: bien sûr, je vous garde la place. Ryan a juré que Fontaine n'était plus que poussière, et vous voilà en train de faire son sale boulot. Ce qui fait de Ryan un minable et de vous un... Eh oh, attends, c'est quoi ce bordel là? Ah, je vais mourir. Je prends trop cher, mon gars. On va la pirater, hein, parce que là, ça va la comédie, bordel là. Il m'a mis trop mal. Ouais, avec la musique bien stressante derrière là qui te fout. Qui te fout pas bien. C'est calmé un peu. Hop. Ah, m'aider ou pas là? Je vais mourir. Ah, il m'a tué! LOL! Ah, j'avoue que c'est chaud là quand même. Alors, ça, est-ce que je peux le prendre maintenant? Pirate concentré. Je pense que je l'ai déjà peut-être. Putain, ils ont respawn. Sérieux? Voilà, plus de vie, excellent. Il me faut de la vie.
de pute. Hop. Arrête ça! Putain, sans déconner. Je suis en train de prendre trop cher. J'ai plus de soins, je vais leur racheter vite fait. Hop. On fouille un petit peu partout. Ok, c'est intéressant. Oh, pas mal. Il y a beaucoup trop de stuff, par contre, ça me fait peur. Ok, c'est bon, on a pu récupérer nos armes, ça c'est cool. Toujours pas de balles dans mon poumon. C'est quoi ça? Amélioration d'armes, stylé ça. Bah, je joue le plus avec le pompe. Hein. Amélioration des dégâts du fusil, cadence de tir du fusil. Ça peut être intéressant la cadence de tir. Des trucs que je peux pas ramasser comme ça. Enfin, ça devait être une arme, un morceau. Ok. Bon, il est plutôt stylé ce niveau dans la glace, j'aime bien. Faut que j'aille. Faut que j'en monte. Ah, attendez, attendez, attendez. Voilà. Ok. Vous ne pouvez pas partir. Hé, j'emmerde Fontaine. Oh, vous n'emmerdez pas Fontaine. C'est Fontaine qui vous emmerde. Vous n'avez pas sauvé et récolté toutes les petites sœurs sur ce pont. A chaque fois, ils mettent ce message là. J'ai envie d'aller les tuer en off et de. C'est vrai que j'ai quand même envie d'aller les tuer parce que c'est vrai que les protecteurs sont plutôt assez chauds à tuer. Puis là, depuis tout à l'heure, je meurs en boucle. Je pense que je vais aller le faire. Si c'est possible, bien entendu. Et puis on reprendra bah, tout à l'heure. Je vais pirater ça vite fait là. Oh putain, c'est chaud ça. Oula, non mais là, attends. Oh my god. Je me suis fail. Donc là, bah je vais mourir. Même pas. Ah, je vais retenter quand même. Hop. Je pense que je vais mourir. Et je suis mort, excellent. Ouais, d'accord, c'est un 1000 HP le bordel. Bon, allez, je vais aller tuer les trucs là si j'y arrive, t'es. Et on reprendra eh bien plus tard, tout simplement. Enfin, on reprendra plus tard. Je vous dis à tout de suite, hein, tout simplement. J'ai juste allé les buter et voilà. Donc, à tout de suite. Donc, du coup, on se retrouve. Eh bien, après avoir buté quelques trucs, je pense qu'ils vont me remettre le message. Non, pas cette fois. Tout devrait bien se dérouler maintenant. Il faut retrouver plus loin. Ok. Donc j'avais buté un ou deux autres protecteurs. Et puis il y en a d'autres où genre les petites sœurs ne sont pas à côté. Enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc bref, j'ai pas encore amélioré mon personnage, on va dire ça comme ça. Mais ouais, je crois que j'ai pas mal j'en ai pas mal. Donc bon, on va voir ça tout de suite. Cache de contrebandiers. Des contrebandiers. Alors, on va voir où ça nous mène tout ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est les protecteurs sont assez chiants à buter, hein, réellement. Un petit peu le cancer quand même, tout ça. Oh putain, ils sont sérieux de mettre des trucs comme ça. Je suis devant la maison marine, mais je ne peux pas entrer. J'ai besoin de vous. Mon dieu, je suis à moins de 100 mètres de ma famille.
Hop, là il y a un endroit de respawn. Ça ne sent pas bon. J'ai envie de prendre le truc électrique par contre. J'ai quoi comme. Ouais, j'ai la petite. Alors, échanger les améliorations génétiques. Ah oui, d'accord, ok. Quand vous parvenez à pirater un système, vous gagnez quelques points de santé. Ça, c'est cool. Vous récupérez quelques points de santé avec les encas. Ok, d'accord. Combat. Ok. Des charges statiques, ça j'aime. Armure corporelle réduit tous les dégâts physiques. Utile dans toutes les situations délicates d'armure corporelle. Offre une excellente protection contre les petits tracas de la vie. On va mettre ça. Quand vous parvenez à pirater, donc ça c'est fait. Ça on y change. Ça on n'y touche pas. Sauf si je. Oui, alors j'ai eu un nouveau plasmide. C'est cryogène, donc en fait c'est genre ça congèle vos ennemis et vous pouvez les one shot. Télékinésie, ça me saoule. C'est quoi ça, gardien? Un gardien vous protège pendant une courte durée. Ah oui, alors ça c'est bon, j'ai enfin compris hein. Donc en gros c'est si vous touchez un mec à se rattaquer par les caméras ou les tourelles aux alentours. Donc c'est pas mal. On va mettre gardien, tiens, ça c'est pas mal. Hop. Par contre, du coup, je vais prendre ça. Voilà. Pour la clé à molette, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Et là-dedans, il n'y a rien. Donc il faut que j'aille par là. Hop. Ok. Ça va être long, mais on va y arriver. Hop, voilà. Tranquillement. Petit message radio. On est venu ici en croyant faire partie de la grande chaîne de Ryan. Mais la sienne est en or et la nôtre plutôt du genre de celle qu'on traîne au pied avec un gros boulet au bout. Il est là-haut dans la forteresse folâtre en train de culbuter des mannequins. Nous, on patauge dans ce trou à vider du poisson. Avec Fontaine, on peut espérer mieux. Il est comme nous, vous savez. Mais il a jamais eu besoin de travailler. Il dit de le rejoindre à sa boîte de conditionnement à 11h. Je vais y aller avec les gars. On sait jamais. Ça pourrait empirer. Actionnez l'interrupteur dans la cabine de contrôle et laissez-moi entrer. Je crois qu'il est grand temps de nous serrer la main et de faire connaissance. J'avoue. Ok, ça est stylé, on va pouvoir voir. Bien, je crois que la plaisanterie a assez duré. Ah. Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez comprendre ce que c'est que d'être vraiment mon ennemi. Donc là par contre j'ai peur parce que je n'ai pas encore activé mes... Bon, on va voir. Je pense que ça va être hardcore. Bon, ouais. Y a pas un petit truc d'amélioration? Alors attendez, on va faire le tour avant parce que y a un moment ça va la comédie. Ici. On va le pirater. Hop. Allez, autant avoir une petite réduction hein, quand même. Hop. Ah d'accord, j'étais déjà. Ah oui, bah oui. J'ai un autiste. On va appuyer sur le bouton parce que cet endroit là a l'air. Je sais pas. On va appuyer sur le bouton, là j'ai l'air d'un peu m'égarer. Hop. Hop. Est-ce que ça s'ouvre ici? Eh bien non. Il fait si sombre.
Si seulement votre ami pouvait lever les yeux et vous voir, vous pourriez le prévenir. Oh merde. Si seulement vous pouviez. N'importe quoi. Oh putain, m'a fait trop peur. De sa mère. Oh ça va, on les one shot. Enfin j'ai eu mon arc électrique. Hop. Je prends le gun. Ok, petite phase de gameplay où je suis concentré les gens. J'ai juste fouillé les cordes le... juste derrière moi. Fils de pute. Plus de balles, ok. Bon, y'a la clé à molette, c'est pas grave. Attends, j'ai pas des balles spéciales, je sais pas quoi. Ah bah si, excellent. Munition perforante, excellent, excellent. Réellement. Oh, on peut tuer. Ah putain, comment on fait pour... Ah oui, bien sûr. J'ai passé la matinée à discuter avec la scientifique allemande. C'est vrai qu'elle est traumatisée, comme ceux qui les ont récupérés dans les camps. Mais elle est pas folle. Elle va gagner tellement d'argent que la fortune de Ryan sera ridicule à côté de la sienne. Elle a simplement besoin de matériel pour avancer et d'un ami pour la protéger. Oh, what the fuck. Ouais, j'avais amélioré ma clé à molette, donc elle fait super mal. Vous introduisez comme un assassin avant de filer comme un voleur. Vous n'êtes pas un barbouze de la CIA. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous venu faire ici? Il y a deux manières de résoudre un mystère. Soit le découvrir, soit le détruire. Attends, il était pas censé être là-dedans ou mourir là, je sais pas quoi. Bon alors, écoutez, c'est très grave hein. Je crois qu'il était mort moi à l'instant, hein, mais il nous a parlé quand même donc. Pas mort, hop. Ok, petit temps de chargement. Bon, il y avait pas mal d'action là, hein. C'était un peu Bagdad là-dedans. Arcadie. Oh, ça a l'air sympa comme, comme décor. Ça a l'air sympa. On va voir. On va voir. Voilà, cet épisode aura été. Bon, le début un peu laborieux, hein, n'est-ce pas? Avec. Avec tous les. Toutes les photos. Moira, Patrick, c'est encore un coup de Ryan. Il attend que nous soyons presque sortis pour nous tendre un piège. On va le trouver, le salopard. On va le trouver, on va lui arracher le cœur. Ah, lui arracher le cœur, excellent. Je suis venu ici bâtir l'impossible. Vous êtes venu voler ce que vous êtes incapable de construire. Tel un barbare en admiration devant les portes du trône. Même l'air que vous respirez est débité de mon compte. Respirez profondément. Débat. Vous souvenir plus tard de son goût. Allez à la bâtisse vers des collines roulantes. Elle vous mènera tout droit au démon. Et alors, il sera temps pour lui de payer. Ok. Eh bien, vous savez quoi, vu que ça fait 30 minutes, eh bien, on va s'arrêter ici, derrière cette porte, et on ne saura pas ce qu'il y aura derrière cette porte avant le prochain épisode. Bon, je pense pas qu'il y ait un truc exceptionnel, mais voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas le like et le petit commentaire, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Tchuss.